Pour se rendre à la Meiyu Animal House mercredi 16 janvier, Meghan Markle avait choisi de porter un total look beige. Et sa robe de grossesse de la marque H&M coûte moins de 30 euros. Mercredi 16 janvier, Meghan Markle a eu une journée très chargée. Entre une visite à la Meiyu Animal House, puis la première du nouveau spectacle du Cirque du Soleil à Londres, la duchesse de Sussex a dû assurer sur tous les fronts. Et s'est affichée très chic, en toutes circonstances. Alors pour rendre visite aux bénévoles de la Meiyu Animal House, une association qui promeut le bien-être des animaux dont elle assure désormais le patronage, Meghan Markle avait choisi un total look beige. Et sous son manteau Armani, l'épouse du prince Harry portait une robe de grossesse de la marque H&M qui coûte moins de 30 euros. Une tenue simple et sobre qui lui allait par ailleurs à ravir et qui moulait son ventre très arrondi. Enceinte de 6 mois, la duchesse était rayonnante. Mais le soir venu, elle avait choisi de briller de mille feux aux côtés de son époux, le prince Harry. Pour se rendre au Royal Albert Hall, Meghan Markle avait revêtu une longue robe bleue scintillante signée Roland Mouret d'une valeur de 3800 euros. Deux sorties, deux ambiances donc. Ce qui a cependant surpris ce soir-là, ce n'est pas tant sa tenue, mais plutôt sa mise en beauté. Habituée au maquillage naturel et dans les tons nudes, la duchesse de Sussex portait un rouge à lèvres foncé et un blush cuivré. Un choix audacieux qui a quelque peu bousculé les codes de la monarchie. I think you